Je dis nous pour faire un petit parler de couronne Faustin Soulouk là qui c'était youn nan couronne qui était piché dans époque là et également nous pour faire un petit parler de Faustin Soulouk dans vidéo ça qui c'était deuxième empereur d'Haïti et c'était un ancien esclave colonie Saint-Domingue là qui d'après le général. Restez sur vidéo jusqu'à la fin parce que dans vidéo ça on va découvrir un pile détail que peut-être pas de connaître. Suivez page là, si vous pas de professeur, il y a une façon pour capabilité connecter avec nous. N'avons connait que Faustin Soulouk lui-même qui a gagné un nom complet qui c'est Faustin Soulouk Eli, il était fait dans date qui était 15 août 1782 à Petit Goave. C'était un militaire, un dirigeant qui était participé dans la guerre indépendance haïtienne avec l'expédition de Saint-Domingue en tant qu'officier et également commandant. Et l'état pral vin empereur d'Haïti sous nom Faustin Ier. L'état gen maman qui c'était Marie-Catherine Soulouk. Et n'a pas connait que Faustin Soulouk c'était une des petites que Marie-Catherine lui-même l'était gagné. Et Marie-Catherine lui-même qui était faite à Port-au-Prince. Et Faustin Soulouk lui-même l'état pral vin général pendant période politique de doublure 1843-1849. Et l'était atteint grade de commandant suprême sous garde présidentielle sous Jean-Baptiste Richer en 1846. Et lorsque Richer lui-même l'était pral mouri, la date qui était 1er mars 1847 là, eh bien lui-même l'était pral fini élu président à vie par Sénat. Autoritaire et puis ambitieux, bon, l'était gagné en pile pouvoir grâce à soutien l'armée. Et la date qui était 25 août 1849 là, l'était pral proclamé empereur d'Haïti par parlement. Et puis l'était pral fondé second empire haïtien. Et bien vite, l'été pugé la meilleure mulat yo. Côté que l'été détruit en pile mulat. L'été pral installé en pile loyaliste ak pou noir dans en pile poste administratif. Et l'été pral créé yon police secret ak yon l'armée personnelle. En 1849, l'été constitué nan nouvelle noblesse qui était composée de quelques nan proche li ak ancien noblesse de premier empire ak royaume nord. Et toutefois, l'été fait en pile tentative pour être capable de reconquérir la République dominicaine, mais malheureusement c'était sans résultat. Et ça qui t'a affaibli pour voir que l'été gagné. Et t'a gagné un complot qui t'a mené par Fabre Nicolas Geffra pour être capable de renverser le pouvoir. Ça qui t'a contraint pour te renoncer en 1859. Côté que Geffra lui-même t'a défié l'armée impériale là, et puis en parallèle de deux plus gros partis pays. Et dans la nuit 20 décembre 1858 là, l'été quitté Port-au-Prince dans un petit bateau côté qu'il était accompagné de petites li avec deux fidèles disciples qu'il était gagné qui c'était Ernest Roumé et Jean Bar. Et 22 décembre il était arrivé Gonaïve côté que insurrection lui-même était éclaté et empire là était aboli, constitution 1816 là t'a pral rétabli. Faustin Soulouk lui-même était pral exilé en République Dominicaine en France. Et après qu'il était renoncé, empire là lui-même était pral exilé Jamaïque, il était pral installé plus précisément à Kingston qui c'est capitale pays Jamaïque. Côté que le tapal parti à bord d'un bateau de guerre britannique, dans la date qui était 22 janvier 1859. Là. Même s'il était en exil, il était conservé titli comme étant empereur. Et ensuite, il a installé à Paris. Et après chute de Geffra, en effondrement de l'État geffrariste, dans la date qui était 2 mai 1867, la famille impériale a été autorisée juste pour capable retourner dans le pays d'Haïti. Après Sylvain Salnav, lui-même était fini pour pouvoir. Il était mort 6 août 1867. Dans la ville natale qui s'est Tigouave, dans l'âge 84 l'année, il était enterré dans Fort Soulouk après le recevoir funérailles nationales. Dans la date qui était 15 novembre 1809, là, il était fiancé avec la princesse Dorimène de Salines, qui s'était petite empereur Jean-Jacques de Salines, et le mariage là lui-même n'est pas jamais officialisé. Mais Dorimène, quand même, il était arrivé faire un petit monde pour lui. Et dans la date qui était 24 juillet 1818, là, il était marié avec la fille roi Henri Christophe. Là, et ensemble avec lui, il a fait trois timons. Et les madame n'était pas mouri, il a pas fiancé encore une autre fois avec Adélia Lévesque en 1846. Et puis il était marié dans la date qui était 26 août 1849. Là. Après, il a fini proclamé comme étant empereur. Et il a fait trois timons encore avec Adélia Lévesque. Et dans ce qui a rapport avec couronne Faustin Ier, c'est une couronne qui était commandée par Faustin Soulouk juste pour être capable de couronner en tant qu'empereur d'Haïti en 1852. Elle était considérée comme couronne qui était plus luxueuse, elle était considérée également comme couronne qui était plus chère dans le monde. Et elle était conservée dans le musée Panthéon National Haïti, même si en 2007, elle était découvert qu'elle était volée pierre précieuse et elle était remplacée pierre précieuse par strass. Strass là lui-même qui c'est un qui c'est une pierre qui est moins précieuse que pierre précieuse que couronne ça lui-même n'était gagné. Et yo t'a pas déplacer après yo t'ai fait une voler pierre précieuse yo, yo t'a pas mettre dans un endroit qui plus assuré juste pour capable continuer protéger mouvement ça. Et monde qui t'est arrivé fabriquer couronne ça, c'était Artus Bertrand. Artus Bertrand lui-même c'était un médailleur, un bijoutier
et li te gen yon entreprise française avec entreprise sa li même li te créé en 1803 et li te stabilisé à Paris et non complet monsieur li même qui c'était propriétaire entreprise ça c'était Claude Artus Bertrand et Kouan sa li même li te constitué de l'or massif li te gen 720 diamants 8 rubis 8 saphirs et li te gen grenat ak émeraude et Jean Oudoula Kouan sa li même li te considéré comme une couronne qui était pi cher dans le monde là mais malheureusement couronne lui-même li pas conservé même j'en été depuis longtemps il t'a pas arrivé voler pierre précieuse et il t'a pas remplacé par un autre bagage qui pas gain même valeur que pierre précieuse qui était gain avant yo. Dis-nous dans commentaire est-ce que vous avez déjà connu toute information ça de Faustin Souloud. Faustin Souloud lui-même c'était deuxième empereur pays d'Haïti.